Et bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as bien commencé la semaine. Et justement, je me suis dit, allez, j'avais envie de faire une petite vidéo avec l'oracle du bonheur de Fanny Féerie, cartomancienne. Hop. Donc, histoire de voir un petit peu comment va continuer la semaine. Déjà, si elle démarre bien, alors j'espère que pour toi elle a bien démarré. Moi oui. Alors on n'a pas spécialement, j'ai pas spécialement un grand soleil, mais la semaine a bien commencé. On reste dans le positif, 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 hein, surtout. Transforme toutes tes pensées en pensées positives, parce que c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'il faut pour attirer le positif. Et il faut montrer à l'univers ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas. Oublie ce que tu veux pas, oublie tout ce qui peut être obstacle et compagnie. Et on reste positif. Alors, c'est parti pour... Je sais même pas combien je vais en prendre. Je n'ai pas prévu, j'avais pas prévu de faire de vidéo là tout de suite. Déjà, on a la bourse, l'argent, l'argent. Les finances, ça peut être les finances. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Ah, la santé, la santé. Donc là, comme ça, je te dirais qu'il y a des... de faire attention aux finances pour l'instant, je te dirais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des reproches, des reproches. Ben, si, c'est possible que pour certaines, il y ait des tensions par rapport aux finances, à l'argent. Donc c'est ce que c'est les trois cartes. Et puis je vais. Hop. Je vais pas faire de tableau, je crois. Je crois qu'on va rester comme ça. Donc là, on a ces trois-là. Déjà, un message. Attention, attention à l'argent. D'accord? Ouais. Il y a des reproches qui vont être faits par rapport à l'argent. Peut-être par rapport. Peut-être si tu dépenses un peu trop. Peut-être que tu dépenses un peu trop. Ou rien, juste des reproches par rapport à l'argent. Peut-être un achat. Là, j'ai pas d'autres précisions. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Jalousie. Ah, attention, attention, ça faisait longtemps, tiens, qu'elle n'était pas sortie. Jalousie, jalousie. Jalousie, ah, ça vient de loin. Ça vient de loin. C'est pas d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ah, bah, ça vient de très loin avec la cigogne. Jalousie, jalousie. Ici, on pourrait avoir une jalousie aussi par rapport à une grossesse. On peut avoir ça. Donc attention, attention. J'ai presque envie de te dire que si tu attends un bébé, si tu viens de l'apprendre ou si tu es en train de découvrir que tu es enceinte, peut-être attends avant d'en parler. N'en parle pas tout de suite. C'est toujours pareil, de toute façon, il ne faut pas trop en dire sur ce que l'on fait, sur ce qui nous rend heureux non plus. Il ne faut pas trop en dire, pas trop l'étaler, parce que ça provoque des jalousies. Et après, ça nous attire des mauvaises choses, parce que ces personnes-là nous envoient des mauvaises ondes. Donc attention, attention. On continue. Alors, ici, on a des doutes. Des doutes, des doutes et des doutes en début d'année, on va dire. Parce que c'est les saisons. Et ici, on est dans les premières saisons. Donc, on peut dire printemps, été. Ça touche le printemps, été. On a des doutes. Donc, moi, là, je vais juste envie de dire qu'on a des doutes ou tu vas avoir des doutes. Comme je te disais pour la vidéo du mois, du brouillard, je voyais du brouillard en fait. Il y a du brouillard ce mois-ci, mais c'est pas un brouillard, voilà, c'est, on sait pas trop. C'est un brouillard qui, pas qu'on sait pas trop, mais qui nous impose de ralentir et de bien regarder où l'on va, de bien faire attention où on va. Ça peut être ça, tout simplement. Donc là, on se rejoint bien. D'ailleurs, en y repensant, il y avait des choses, ouais, il fallait se méfier d'une certaine personne, de quelqu'un, de gens, il fallait se méfier un petit peu. Ici, on a les jalousies, on a des reproches, donc reproches par rapport à l'argent, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire d'argent ici, hein.
Peut-être que tu as prêté de l'argent, peut-être qu'on t'a prêté de l'argent, peut-être que, je sais pas, il y a une histoire avec de l'argent, quelque chose de pas correct même, ce n'est pas correct. Et j'ai comme l'impression que l'on va te reprocher à toi alors que toi tu n'as rien à voir là-dedans en fait avec cette histoire d'argent. Moi j'ai un petit film dans ma tête, je vais pas te le dire parce que ça reste perso. Je vais pas te le dire, mais ouais. Je vois plus ça comme ça aussi, hein, de faire attention, comme si on a essayé de t'arnaquer avec l'argent. Ouais. On a essayé de te soutirer de l'argent. Voilà, de quelque façon que ce soit, on a essayé. Mais tu le sais, de toute façon, tu le sais. Et si tu es l'autre personne, et ben tu sais aussi que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc viens pas reprocher en fait, parce que. Là, pour le coup, c'est celle qui reproche qui va être en tort. Mais grave en plus, c'est vraiment un truc assez ouais, incompréhensible, mais bon. Que cette personne puisse se faire des reproches, ça, c'est ça que je trouve incompréhensible parce que c'est pas honnête en fait. Déjà, ce qu'elle a fait, cette personne n'est pas honnête. Donc voilà. Et je m'arrête là. Pour l'argent, et on va continuer avec ce côté-là, incertitude en début d'année. Donc, tu vois, ça rejoint bien la vidéo du mois, donc c'est cool. Les deux, même, hein, puisque les deux étaient complémentaires, donc c'est cool. Et alors, c'est vrai que je dis souvent, hein, elle est souvent cette carte, mais elle prend à chaque fois, en tout cas, moi je la remarque à chaque fois, c'est la carte de l'évolution. De l'évolution. Et là, on voit donc une transformation, une évolution qui se fait. Et ici, j'ai envie de te dire dans la deuxième moitié de l'année. Hein. Ça c'est plus pour l'automne-hiver. Automne-hiver. Est-ce que on le prend maintenant? Parce qu'on est en hiver. On est en hiver. Donc pourquoi? Non. Non. Ouais, je te démontre. Une. 2, 3, le message. Donc on a printemps, été, automne, hiver. Donc ouais, non, on va dire que c'est plus pour l'hiver. Donc en fin d'année, on va encore, parce qu'on est déjà en évolution, on a déjà fait, j'espère que tu l'as remarqué, en tout cas, on a déjà eu une transformation. Là, il y en a d'autres. De toute façon, ça sera tout le temps comme ça, on évolue, on se transforme. On se transforme, ben on monte en vibration, on change de plan. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Alors ici, j'ai des schémas répétitifs. Bien, 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 bien. Tu sors, tu vas sortir de ce schéma répétitif. Tu sors. Alors, c'est... Ouais, peut-être par rapport à un homme, et du coup les choses ne vont pas se répéter. Tu prends la... Quoi qu'il y a le lien après, hein. Là, tu casses. Ça, c'est cool, ça, c'est bien. Ça, c'est bien déjà. Très, très bien de faire ça. Tu casses le cercle, tu casses le schéma répétitif, et hop, tu prends la sortie, quoi. Hop, tu te casses, tu prends la sortie, et ça, c'est peut-être le choix que tu vas faire. T'as peut-être un homme par là, et ben tu vas choisir, tu vas faire ce choix, en tout cas une rencontre. Ouais, je vais prendre ça comme une rencontre plutôt amicale, amoureuse, je sais pas. Ça reste en fonction de toi, de ton envie, de tes recherches, de ce que tu attends, de tes pensées aussi. Hein, si tu as des pensées. Amoureuse, etc., et eh bien tu risques plus, t'as plus de chances d'attirer justement l'amour plutôt que si tu as des pensées négatives, du genre ouais, je suis tout seul ou je suis toute seule, je rencontre jamais personne, etc. Quand tu te parles à toi, quand tu as des pensées, surtout, surtout, enlève toute négation, enlève tout ce qui est négatif de tes pensées, de tes réflexions. Et transforme tout en positif, mais en positif de présent aussi. C'est possible si tu arrives à y mettre en positif et au présent, c'est encore mieux. Comme si ça y est, c'était fait. Ok, je rencontre
Le mec de ma vie, je rencontre l'homme idéal, je rencontre l'homme parfait. Vous voyez, je suis en train de faire connaissance avec une personne formidable. Et ne pense pas, ah ouais, il est peut-être comme les autres, il va peut-être, etc., etc. Non, pense pas au négatif, vois que du positif dans cette personne. Donc là, on a un message plutôt sympa. Ça peut être amical, c'est pas forcément amoureux, d'accord? En tout cas, ici, en plus, je sais pas le thème de la répétition, mais c'est quelque chose que l'on répète. Donc pour certains, ça sera dans l'amour, pour d'autres, ça sera dans le travail, pour d'autres, dans l'argent. En plus, on avait l'argent tout à l'heure, etc., etc. Tu vois, ça va dépendre de chacun de nous. Allez! Un autre, est-ce qu'on a un autre message? Alors là, j'ai de l'amour, de l'amour, de l'amour, décision, un choix à faire. Un choix à faire. Hop, alors attention, attention, attention à ton ego, à ton mental. Ton mental qui risque de venir. Alors attends. Parce qu'ici, on a l'amour, on a la décision. Il y a une décision à prendre, tu vois. Mais l'amour, ici, pareil, je ne sais pas si c'est l'amour. Je ne pense pas que ce soit l'amour personne, rencontrer une personne. C'est juste que là, tu vas faire quelque chose vraiment avec amour. Et tu as un choix à faire. Il y a le diplôme. Donc là, il y a une réussite. Il y a une réussite quelque part. Là, dans un des domaines, il y a. Par contre, c'est quelque chose que tu fais. Enfin, il y a l'amour, et il y a l'amour, et je ressens vraiment quelque chose de bien, quelque chose de. Ben, tu as choisi en fait, c'est vraiment toi qui choisis, et là tu as une réussite. Alors, la réussite, donc avec sous forme de ce diplôme, mais là on a une réussite. Il y a un choix, une décision, des ou une, je sais pas, mais voilà. Et là, tu vois, l'image se répète un petit peu. Ici c'est le Bouddha, ici c'est l'arbre, mais après, dans les deux, il y a deux et deux. Mais bon, voilà, un petit choix, une petite décision à prendre. Je pense, il y a peut-être pour, je sais pas, il y a peut-être une célébration ici. Bah, de toute façon, avec le diplôme, hein, on a une célébration. Ensuite, là, bah, ça va dépendre. Après, j'ai l'échec, j'ai l'ego, le mental et le voyage. Donc ici, je suis plus dans le. Et c'est plus ce que je ressens. Et ouais. C'est. Attention, attention, attention à ton ego. Attention au mental aussi. Qui risque de faire annuler, de faire justement ce voyage. Tu vois, le voyage. S'il ne se fait pas, si tu as prévu un voyage, si tu as prévu un déplacement, quelque chose comme ça, s'il y a un échec, ça sera à cause de toi, ça sera à cause de ton mental, de ton ego ou de ton mental. Ça, après, il faut voir où en sont les choses. Je ne sais pas si je le relis aux cartes d'avant, mais avec le diplôme, évite de prendre la grosse tête parce que ça risque de t'embrouiller encore plus, hein. Ça risque de t'embrouiller, surtout qu'il y a des décisions à prendre. Tu vois, juste avant, il y avait des décisions, il y avait l'amour, donc c'est possible que ce soit une décision amoureuse. En tout cas, c'est par amour, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et. En fait, tu sais quoi, là, c'est comme si. Là, tu vois, c'est plus. On est en train de me dire que. Après ce passage-là, tu as peut-être besoin, justement, d'un petit voyage. D'un petit. Comment dire, prendre l'air, prendre. Tu vois, se changer les idées. Pour, justement, évacuer un peu cette petite tension, tu vois. Là, c'est toi, ça, c'est toi qui es écrasé par. Ton mental, ton ego, etc. Moi, là, je serais plus dans le. Dans le.
Il faut se détendre, se relâcher après avoir passé une période parce que ça, alors je sais pas, hein, je suis pas l'école, les programmes scolaires, je sais pas du tout quand il y a des vacances, quand il y a des examens ou quoi que ce soit, mais là je pense plus au. Après, il y a des formations pour les adultes, c'est tout le temps, c'est toute l'année, donc oui, c'est possible que là tu viennes de passer un cap, peut-être professionnel, peut-être que tu as repris un peu les cours pour passer un examen pour ton travail. Une formation, hein, voilà, c'est quand même un apprentissage, une formation, et il faut apprendre, etc. Et tu t'en es mis plein, plein, plein la tête, et maintenant il va falloir te vider un petit peu pour pouvoir respirer et pour pouvoir, ben, voilà, tout simplement décompresser. Tu vois, en fait, c'est juste ça ce que je voulais dire. Là, c'est plus le côté. Je pars pour me décompresser un petit peu parce que voilà, maintenant tu l'as obtenu, tu vois, tu as obtenu. Donc maintenant, allez, on lâche un peu et on va changer les idées pour mieux continuer en fait. Bon, moi je crois que je vais m'arrêter là parce que là c'est sympa, on a des petits messages comme ça sympa. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Ben là, comme ça, rien, non. Ça ne parle plus. Non, celle-là. De ce côté, ça parle pas. Alors, on aurait contrat de travail. Contrat de travail, attention, il y a comme une. Ah, il y a un contrat de travail et il y a de la chance. Il y a de la chance parce que là, il y a comme une trahison. Trahison. Un coup de poignard dans le dos, comme si on essayait de te la mettre à l'envers. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'on a et la chance et les offrandes. On a quand même pas mal de bonnes cartes. La clairvoyance qui revient. La clairvoyance. La clairvoyance qui revient. La clairvoyance qui revient. Donc tu vas voir tu vas le voir arriver en fait. Tu vas voir arriver ce... Bon, là, c'est écrit trahison, mais on n'est pas obligé d'aller dans quelque chose d'aussi dramatique qu'une trahison, couteau dans le dos et compagnie. Mais en tout cas, hop, hop, tout à l'heure, j'avais dit quoi? J'avais dit tout à l'heure, il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie. Donc, attention, hein, attention. Mais en tout cas, je reste sur. Et puis, dans ce qui me reste de souvenir des tirages du mois, je te parlais d'opportunités qu'il fallait saisir. Peut-être qu'elles arrivent ici, hein, les opportunités. Là, il y a un contrat de travail. Alors, attention, si tu travailles, si tu as déjà un contrat de travail, ça ne t'empêche pas d'en avoir un autre. De changer, hein, je veux dire, de travail, ça t'empêche pas de trouver un autre contrat. Mieux. On est toujours dans du mieux, d'accord? C'est toujours pour mieux. Ouais, moi, par exemple, je travaille, mais bon, si je trouve quelque chose qui serait mieux, ben, j'y vais, hein, j'y vais. Donc là, juste attention à cette carte-là, il y a quelque chose qui... Ouais. Mais... Les autres sont très très bonnes aussi. Fais un petit rituel. Fais un petit rituel de protection. Fais un petit rituel de protection. Ouais, fais un petit rituel de protection pour éloigner les mauvaises énergies des personnes qui pourraient être te jalouser, t'envier ou juste te mettre des bâtons dans les roues parce que voilà, ça leur fait plaisir. Donc ça. Et tu peux faire un petit rituel pour donner un peu plus de chance à ce contrat-là, ce contrat de travail. Il est là, donc bah écoute, je t'avais dit dans le direct du mois que le mois de janvier devrait être très bon, enfin très bon, devrait être plutôt positif. On met les choses en place, on réorganise des choses, donc tu vois, là, il y a un contrat quand même, le contrat est là. Qui est en lien aussi avec la clairvoyance. Donc, ce qui est sympa, c'est que hier, je te parlais justement
réorganiser si tu avais un projet, etc. De réorganiser tout ça. En plus, c'était très, très centré sur l'ésotérisme aussi. Ça ressort. Donc, on verra si. On verra si ça continue à ressortir comme ça. En tout cas, ici, ça sort bien, ça correspond bien. Donc, je te dis quoi? Je te dis bonne évolution à toi, courage, courage, et n'aie pas peur, aie confiance en toi. Tu peux le faire, donc aie confiance en toi. Vas-y, tranquillou, d'accord? Pas la peine d'accélérer, de courir, non. Vas-y tranquillement, surtout, surtout si tu as, comme je te disais dans le tirage général du mois, il y avait du brouillard. Même là, il y a de l'incertitude. Donc voilà, on reste prudent, on y va tranquillement, ça ne sert à rien de courir, hein. On va faire la tortue, on va y aller tranquillement. Vraiment, tu poses un pied, mais tu sais où tu le poses, etc., etc. Et ça va très, très bien se passer. Attention à l'argent. Il y a une histoire, hein, d'argent. Là, il y a une histoire d'argent, mais ça vient pas de toi. Ça vient pas de toi. Et c'est pas toi le problème. Donc voilà, c'est la personne qui te reproche, en fait. Bon, c'est comme ça, hein. Elle voudra pas reconnaître ses torts. Elle ne voudra pas. La personne ne va pas reconnaître ses torts alors qu'elle est en tort. Et c'est même très moche, en fait, ce qu'elle a fait. Tu vois, je te dis ce que je ressens, hein, je te dis ce que je ressens. Je ressens quelque chose de moche, en fait. Vraiment une arnaque. Je vois ça comme une arnaque, en fait. Enfin, pas une arnaque, mais comme si un profit, ouais, comme si cette personne avait trouvé un moyen, pensait pouvoir justement profiter un petit peu de ta gentillesse ou de ton amitié. Pour justement pour me caser ici par-ci par-là cette histoire d'argent. Enfin bref, 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 on s'en fout, on va pas se laisser empoisonner par ça, par rien d'autre. L'évolution continue, l'évolution, la transformation. Et bien, je te disais qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de brouillard, mais qu'on avançait. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Cette année, elle va continuer à être dans l'évolution, dans la transformation. Et cette année, elle va être jolie, elle va être jolie, jolie. Je ressens ça. Alors j'espère que ça va être le cas pour toi, pour tout le monde. J'espère que ça sera le cas. Bon, et ben voilà. Ben, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, je l'avais pas prévue celle-là, mais voilà, elle arrive. On y va, on écoute un peu tes ressentis, hein. N'hésite pas toi aussi à écouter un peu tes ressentis, écoute ton corps et fonce, fonce, fonce. Allez, à très très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi on parlera. On verra. Allez, ciao, ciao. N'hésite pas à t'abonner, hein. Je ne le dis jamais, en fait, je le dis, mais sans le dire, enfin, j'oublie, mais abonne-toi si tu veux. Ciao.